été repéré sur l'autoroute I5 il y a une dizaine de minutes. Le véhicule est une camionnette Ford de 1965 couleur crème. On signale deux occupants à son bord, un homme et une femme ayant approximativement une vingtaine d'années. Je vous écoute. 86S1, l'hélicoptère numéro 2 a repéré le véhicule suspect et reste au-dessus de lui. Vous ne devez pas vous trouver très loin de lui. 86S1, je le trouverai. Dimanche 4 juillet, 11h05 du matin. Dans quelques minutes, plusieurs de ces personnes seront blessées ou même tuées. Elles seront victimes d'un des plus grands carambolages qui se soit produit en Californie. 39 véhicules y seront mêlés, 62 personnes blessées et 15 tuées. Officiellement, le constat a déclaré que cet accident était dû à une défaillance mécanique. Mais il ne dit pas un mot des espoirs, des désillusions, des amours, bref, des aspects humains de cette catastrophe. C'est ce que nous allons essayer de retracer. Nous allons faire connaissance de quelques-uns des protagonistes de ce drame et voir ce qu'ils ont fait pendant les 48 heures précédant le carambolage. Moi, je suis Sam Markham. Je suis au volant d'une des voitures de surveillance de l'autoroute au moment où ceci va se passer. Eh bien, chers auditeurs, il est maintenant 11h09. C'est la nuit ensoleillée de samedi. La météo nous promet une très belle journée et cela risque de pousser beaucoup de gens à prendre leur voiture et aller se promener. Nous vous recommandons encore de bien vouloir. Après-midi, 43 heures avant l'accident. Vous connaissez tous la date. Vendredi 2 juillet. Vous savez aussi ce qui vous attend, je suppose.
le fatidique 4 juillet, notre fête nationale. Ah, il y a des gros pontes de l'Est qui vont venir nous regarder et prendre modèle sur nous pour le faire ailleurs. Même sur toi? Oui, même sur moi. L'autoroute sera pleine de gens âgés conduisant trop lentement et de jeunes conduisant trop vite. Il y aura des vieilles guimbardes, des pneus lisses, des nuages de fumée et des conducteurs énervés. Sans oublier les bébés malades et les belles-mères qui ont un besoin urgent quand il ne faut pas. Alors vous vous rappelez les bons principes que je vous serine? Ayez le regard vif et le pied léger si vous voulez durer. Ah, comme ça fait plaisir. Et la limite de vitesse est 55 000 à l'heure. Alors allons faire notre devoir avec fierté. Toi aussi, Sonny. Tiens, le voilà. Jimmy. Salut, vous deux. Comment ça va? Rien de nouveau, si j'ai du petit? Ah non, toujours rien. Oh, tu as oublié ton déjeuner. Oh, merci. Ça me permet de venir te voir. Monsieur Hutton, l'unité tout entière exige de savoir ce que vous avez fait à cette pauvre enfant. Oui, j'étais aussi au supermarché hier soir, et je n'avais encore jamais vu quelqu'un passer devant la caisse à cette vitesse. Tout le monde avait peur qu'elle explose. Alors fais un effort ou nous allons tous finir chez les grands malades. J'essaierai de faire ce que je peux. Merci. Ça, est-ce que tu as une minute? Oh, je peux voir votre carte grise, s'il vous plaît. Non, la ferme. Écoute, j'aimerais te dire un mot sur la pitoyable attitude masculine. Elle va avoir un bébé et c'est vous qui êtes nerveux. À ta manière démesurée de t'inquiéter pour ta jeune sœur, on dirait que c'est toi qui vas avoir le bébé. Il faudrait qu'elle se marie avant. Je ne demande que ça. Bon, il faut tout de suite que je te ramène et que j'aille à l'hôpital. Je vais être en retard. Si je finis pas trop tard ce soir, je passerai te voir. Commence à s'inquiéter maintenant. Tu sais, je crois qu'il faudra que j'abandonne la patrouille. Tu viens d'y entrer? Oui, je sais. Elle croit que c'est toi qui m'as entraîné. Moi, faire une chose pareille? Un gentil garçon comme toi? De la télévision et de la sympathie. Ça fait exactement pareil pour moi après mon divorce. Bienvenue dans le monde des paumés, ceux qui boivent pour réussir à s'amuser. Puisque tu es là, oublie le reste et essaie de rire un peu. Comment ça va ce soir? Bien. Je te présente Erika. Elle travaille avec moi au laboratoire. Ah, Erika, hein? Oh, mais vous êtes magnifique. Je suis tellement ennuyé. On danse? Oui, d'accord. Mmh.
Prépare-toi. Écartez-vous. Ne restez pas là. On appelle tout de suite la police. J'ai tué un gars. Je voulais pas tirer sur lui, je l'ai abattu. Tu es blessé. C'est bizarre, je sens rien du tout. Je sens pas la balle. Fais voir. Laisse-moi non, regarder. Non, c'est grave. Et on n'a pas le temps. Il faut changer de voiture, on sera vite repéré avec celle-ci. Vous allez être obligé de vous habituer à tout ça. C'est une vie qu'il faut accepter entièrement. Il n'y a aucune loi, aucune règle. Vous devez seulement essayer de saisir et de garder l'instant. J'aurai rien de personnel. Et on ne s'engage d'aucune façon que ce soit. Vous suivez votre idée et moi je suis la mienne. Alors personne n'a de merci à attendre. C'est ça, oui. Et tout ça n'a rien à voir avec les sentiments, hein? Oui, non, mais justement, c'est d'amour que je parle. La façon de l'aborder aujourd'hui, vous devez l'approcher d'une manière décontractée, tolérante. Oh, mes chéris, voilà Jeff. Bonsoir. 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 Jason, voilà Erika. Enchanté. Elle a une chair formidable. Oh, ah, certaines femmes l'ont, d'autres aimeraient la voir. Vous l'avez, vous avez une belle chair saine. Il peut le croire, s'il le dit, il le sait, il sait ce qu'il dit. Il est docteur. Le chiropracteur. Personne n'est parfait. Ah. Alors là, elle t'a eu. Écoutez, qu'est-ce que vous diriez de quitter cet endroit et d'aller quelque part où il n'y aurait que vous et moi? Accordez-moi d'abord 5 minutes. Vous regarder nos deux amoureux. J'en ai pour une petite. Non, je vous attendrai. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Elle a un grand sens de l'humour et j'ai l'impression que le grand Danny a la cote. Tu es si romantique. Merci. Attendez! Heureusement que le grand Danny vous a vu partir. Hein. Je croyais pourtant qu'on était d'accord, tous les deux. Écoutez, il pleut, cet endroit est surpeuplé, alors pourquoi on ne partirait pas ailleurs? Allez-y de votre côté, mais moi je rentre chez moi. Ah non, pas si vite. Woody nous a dit qu'on devait vous amuser un peu. Et pourquoi est-ce que vous avez peur de moi? Je suis un petit rigolo, vous savez. Ça me fait plaisir pour vous. Ah, j'ai une idée. Je vous emmène sur mon bateau, il n'y aura que nous deux. Pas ce soir. Je meurs de sommeil, alors peut-être une autre fois. Samedi matin, 3 juillet, 26 heures avant le carambolage. J'aime bien avoir une maison en ordre quand je m'en vais. Allez, viens, dépêche-toi. Il est l'heure de s'en aller. Va t'occuper un peu pendant 5 minutes. Mais j'ai plus rien à faire. Oh, en cherchant, tu trouveras bien quelque chose. Ah, ça y est, je viens de trouver. Bien. Je vais faire ce que le premier ministre d'Israël conseillait à un jeune ambitieux qui voulait entrer au Parlement. Mon garçon, je pense que le conseil le plus important que je donnerais à un homme visant à une fonction publique, c'est de ne jamais manquer la moindre occasion de se laver les mains.
Mes années. Vanité, vanité, ton nom est femme. Bon, alors, ça y est. Allez, mon chéri, dis-moi où est-ce que tu comptes aller. Mais je te répète que c'est une surprise. Il y a eu beaucoup de surprises, c'est ainsi. Tu veux te faire pardonner quelque chose? Quoi? Tu savais que je voyais souvent une autre femme? Une petite étudiante en histoire avec de beaux yeux. Oh, là, autre chose que les yeux. Allez, viens, viens, on va s'amuser. D'accord, allez, vas-y, je te rejoins. Mais où tu vas encore? Eh bien, si tu veux le savoir, suivre ce précieux conseil, allez me laver les mains. Restez pas là. Alors, vous montez? Elle s'assoit près de moi. Et toi, tu conduis. Je regrette, mais on doit faire ça. Allez, avance. Oui, oui, d'accord. Tais-toi. Bonjour, monsieur. Salut. Je peux voir votre permis de conduire? Oui, tenez. Merci. Vous avez la carte grise? Oui, mais la camionnette n'est pas à moi. Où est le propriétaire? Il se repose. Randy, vous voulez descendre? Bien sûr. Vous ouvrez, s'il vous plaît. Tout de suite. Très drôle. Il paraît. Randy, vous allez m'ouvrir ou pas? Voilà. Oh, referme, Randy, fiche-nous la paix. Fiche-nous la paix, t'entends? Non, arrête, arrête. Arrête un peu, tu veux. Oh. Salut. Salut. Alors... Le véhicule vous appartient? Oui, sergent. Tout le confort de la maison, hein? C'est. Vous savez ce qui se passerait si vous deviez freiner brutalement avec une camionnette comme celle-là? Non, sergent. Moi, je le sais. Et ça ne serait pas très joli. Ah non? Ah, allez, ça va. 55 à l'heure, je vous le rappelle. D'accord. Merci. Ben, vous nous donnez pas d'amende? Oh, si je vous mettais une contravention, c'est sûrement votre père qui paierait. De cette manière, vous comprendrez peut-être? Oui, je crois. Non, vous comprendrez un jour. En route! Eh bien, je vous ai assez cassé les oreilles avec mon bavardage. Place à la musique. Voilà.
ne peux plus rien faire d'autre. Ça ira. Est-ce que tu pourras tenir? Peter! Oui, ça ira, ne t'en fais pas. Je crois qu'il serait mieux à l'hôpital. Vous êtes fou? Oh, c'est ce que je crois, hein, c'est tout. Toi, écoute. En fait, tu t'appelles comment? Lee. Je m'appelle Lee Bassett. Ah oui. Bon, alors, toi, tu nous conduis, Lee Bassett. Et c'est tout. Ouais, d'accord, mais où ça? Qu'est-ce que ça fait? Écoute, tu vas continuer vers le nord. Alors tu veux aller à Big Sur? Oui, là-bas, tout s'arrangera, tu verras. Oh, tais-toi, je voudrais réfléchir. S'il saigne encore, on ne pourra plus rien pour lui. Tu devrais peut-être aller voir un docteur. Non, la ferme. Plus un mot. Et toi, ferme la radio. Qu'est-ce que ça va changer? J'aimerais bien qu'on m'écoute ici quand je parle. Ou bien alors, il y aura d'autres blessés. D'accord? Oui, oui, d'accord, d'accord. Samedi matin, 24 heures avant le carambolage. Ah, ça doit être Suzy, ça. Allô? Bonjour, Erika, comment ça va? Bien, mais qui est-ce? Comment, vous ne reconnaissez pas ma voix? Ah, non, je regrette. On s'est vu hier soir. Ah, Danny, bien sûr. J'ai pensé que vous pourriez changer d'avis. À propos de quoi? Du bateau. C'est une journée formidable pour aller faire du bateau. Rien que vous et moi, pas de raseur, rien que la mer et le soleil. Ben c'est très gentil, mais... Je passe chez vous dans une heure, hein. N'oubliez pas que je suis médecin et on doit obéir à un médecin. Oh non, non, attendez. Bonjour ma chérie, tu vas bien? Maman? Oh, comme je suis contente. Où es-tu? À la maison. Je voulais savoir ce que tu fais ce week-end. Tu as une drôle de voix. Tu n'es pas malade? Oh non, non, pas du tout. Je vais bien. Seulement j'avais envie de bouger. Et je pensais aller à San Diego pour te voir, si tu veux bien m'accueillir. Oui, je dois voir Jeff, mais sans rien faire de spécial. On avait l'intention d'aller voir les dauphins faire leur numéro. Il y a 3 semaines que je lui ai promis. Et tu peux venir avec nous? Je suis sûre qu'il sera ravi de te voir. Oh, mais je ne voudrais pas changer tes plans. Oh, mais non, viens, je t'attends. Bon, alors, quand est-ce que tu viens? Eh bien, je suis déjà prête à partir. Parfait. Fais attention aux voitures. Aujourd'hui, il y a des bouchers sur la route. Oui, oui, bien sûr, merci. Alors, on se voit tout à l'heure. Est interdit à cet endroit. Vous avez l'air d'être une virtuose. Je sais faire plein de trucs. Allez, il faut bouger. Écoutez, nous attendons un ami qui devrait arriver ici. Si nous allons ailleurs, il ne saura sûrement pas où nous trouver. Il va arriver d'un instant à l'autre. Vous êtes comme tous les autres flics devant les jeunes comme nous. On est tous bons à serpent. Je suis navré, vous devrez trouver un autre emplacement. Partir d'ici. Attendez un instant. Hé, le voilà. Et où c'était passé? Ah, j'ai rencontré 2 ou 3 copains, mais on s'est bien amusé. Vous savez ce que c'est, quoi? Et où est ta Lucie? Ah, ben, j'en sais rien, on est fâchés, alors je suis venu seul, quoi. Oh, pauvre bébé. Oh, je t'ai déjà répété 100 fois de dire s'il te plaît à Lucie. Ah, allez, ça y est, votre ami est ici, alors vous allez tous être gentils et partir. Et partir où? Ailleurs. Oh, ailleurs. Allez, viens, il faut partir. Ailleurs. Allez, viens. Ailleurs.
Street 86506. 86506, allez-y. 86506, votre femme vient d'arriver à l'hôpital. Code 2. 86506, merci, j'y vais. S'arrêter. Mais je te dis de ne pas obéir. Capistrano, ici 86506. Je vous écoute, 86506. Pas d'autres nouvelles de ma femme ? Immédiatement. 506 terminé. Et il nous rattrape, je dirais. Cette fois, on est bon. Il faudrait mieux s'arrêter. Vite. Allez, tant pis, je me range. Avance. S'arrête. Cache ton arme, secoue-toi. Alors, je vous ai pourtant bien dit de vous arrêter. Oui, je sais, mais... Oh ! Allez, démarre. Démarre ou je te tue. Mira, momento. Pourquoi est-ce que Jimmy n'est pas près de moi maintenant? Pense plutôt à ton bébé. Pousse, pousse. Souviens-toi de ce qu'on t'a appris au cours sur l'accouchement sans douleur. Fais ce qu'on t'a appris. Oh, c'est trop difficile, je suis fatiguée. J'ai aucune envie de pousser, j'ai envie de crier seulement et... Et crier, je le fais très bien. Mais où est Jimmy, lui qui voulait me tenir la main? N'abandonnez pas maintenant, tout va bien. C'est presque terminé. Oh. Allez-y, poussez. Écoute le docteur. Allez, vas-y, ma chérie, pousse. Oui, c'est très bien. Continue comme ça. Oui, c'est bien. Pas trop vite. Doucement, doucement. Ça y est, le voilà. Ne poussez plus maintenant, ce n'est plus la tête. Ne poussez plus. Laissez-le sortir tout seul. Soufflez. Soufflez. Oui, c'est bien. Voilà la tête. Allez, c'est bien, c'est bien. Encore un petit effort. Allez-y, courage. C'est bien. J'ai réussi, ma chérie. C'est presque terminé. Regarde dans la glace. Regarde. Regarde, le voilà ton bébé. C'est terminé. Vous avez un petit garçon. C'est fini, ma chérie. Regarde ton bébé. Samedi matin,
23 heures avant le carambolage. Tu ne veux pas aller danser ce soir? Oh non! Attention, viens le plus tard. Je repasserai plus tard dans la journée. Merci. On a réussi. On a réussi. Je me sens très fière de toi. Ça, je te le dis. Tu sais que tu as fait de moi une tante? Oui, je le sais. Oh, j'aimerais tant que Jimmy se dépêche d'être là. Où est-ce qu'il peut être encore? Ne t'inquiète pas, il sera bientôt ici. Pauvre Jimmy, il tenait tellement à assister à l'accouchement pour m'encourager. Écoute, tu vas essayer de te reposer un peu, d'accord? D'accord. Il ressemble à Jimmy. Dors. Entendu. Oh, excusez-moi, il pèse 6 livres et c'est le portrait de son père. On ne peut rien vous cacher très longtemps, dirait sergent. Non, rien du tout. Comment va Barbara? Non, très bien. Bon, mais où est donc Jimmy? J'en sais rien, je suppose qu'il sera là dans 2 minutes. Ah, on a dit oublié une chose. Tu es en service? Oui, oui, ça t'ennuie, hein? Alors, viens ici. Bonjour. Je les envie. Pourquoi faut-il que tout soit si compliqué pour nous deux? Parce que c'est toi qui le complique. Il ne veut pas que ton mari court de risques. Regarde, Jimmy a connu Barbara, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés et ils ont un fils. Tu sais que ça me plairait aussi. Oui, bien sûr que je le sais tout ça. Alors? J'aimerais considérer la vie comme Barbara le fait. Je sais ce qui te rend dingue, c'est d'être toute la journée dans cet hôpital. T'es entouré de blessés et de cadavres. Tais-toi. Tu devrais le quitter. Mais tu trouveras autre chose, merci. Tout ça n'a rien à voir avec mon emploi. C'est le tien qui est en cause. Je t'épouserai quand tu le demanderas et tu le sais. Mais si nous devons avoir une famille, et tu sais combien j'en veux une, je te l'ai déjà dit, alors tu devrais accepter cette promotion et abandonner la route. Ça... Je veux que mes enfants puissent dire au revoir à leur père le matin sans courir le risque de ne pas le revoir le soir. Je suis incapable de rester assis. J'ai pourtant essayé, et tu le sais que j'ai essayé. Je ne peux pas rester derrière un bureau. Tu ne veux pas comprendre ce que Mais je non, dis. Mais non, c'est toi qui ne veux pas comprendre ce que je dis. Et tu essaies de changer ma vie. J'ai pas du tout l'intention de changer ta vie. Je veux seulement que tu la gardes. Quand est-ce que tu comprendras ça? Le sergent Marcom est demandé de toute urgence. Le sergent Marcom est demandé de toute urgence. Je repasserai plus tard. Rien, je le questionnerai dans 1 minute. Il a transmis la description de la voiture. Oui, tout de suite. Qu'est-ce que le témoin a raconté d'autre? Il a vu Hutton arrêter la voiture, marcher vers elle,
Et bon, ils l'ont abattu. Juste comme ça. Juste comme ça. T'apprends quelque chose d'autre? Quoi que ce soit, appelle-moi à l'hôpital. Comment apprendre ça à sa femme? Elle vient d'avoir son bébé à l'instant. Jimmy? Où est Jimmy? Est-ce que Jimmy est là? Il ne devrait plus tarder maintenant. Il lui est arrivé quelque chose. Il venait à l'hôpital et il y a eu une fusillade. On lui a tiré dessus. Il a été touché. Il est mort. Alors, il venait... Marie préfère. Madame, bienvenue chez nous. Quoi? Oh, non. Albert, Albert, tu n'as pas le droit de faire ça. Oh, bien sûr que si. Oh, oh. Alors, qu'est-ce que tu as, hein? C'est à ton goût? Qui est-ce? Nous. Oh, espèce de gros bêta. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est à ton goût, alors? Oh, c'est magnifique, Albert, c'est vraiment ravissant. Mais comment allons-nous faire? Nous ne pouvons venir ici que le week-end, voyons. Mais pas du tout. J'ai décidé de couper mon travail. Je m'arrête un an, au moins. Nous pourrons habiter ici à ton complet. Je crois que je vais pleurer. Mais avant de tout inonder, tu devrais venir voir le lit, s'il te plaît. Je te demande pardon? Oh, ce n'est qu'une suggestion. Il faudrait bien remplacer cette roue. On perd trop de temps à cette allure. Peter. Peter. Il faut faire quelque chose maintenant. Oui, je crois. Hé, hey, donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Non. Restez tranquille et fermez-la. Vous l'avez assommé. Non, mais dis donc, vous foutez de moi. Ce gars-là a abattu un flic de sang-froid. Et ça fait de moi votre complice dans cette histoire. Si vous acceptez de m'aider, alors moi, je dirai tout. Et vous croyez qu'ils vous écouteront? On m'a libéré sous condition. J'ai volé une voiture, mais j'ai tué personne. Et Dieu sait à quoi vous êtes mêlé. Mais
Il va mourir. Il faut le conduire chez un docteur. Je vous paierai. J'ai de l'argent. Mais je ne le connais presque pas. Il voulait juste trouver un peu d'argent pour aller à Big Sur. Je savais pas qu'il était dingue. Je savais pas qu'il abattrait des gens sans hésiter. J'en savais rien du tout. Oh, s'il vous plaît, ne me laissez pas. Dites donc, il y a un tas de billets. Je les accepte. Où est-ce que vous allez? Restez là et attendez-moi. Lâche-moi. Salut. Samedi après-midi, 20 heures avant le carambolage. Un peu, tu veux. Et puis elle est vieille. Oh, t'as fait pire. Allez, venez, on va voir ce qui se passe. Bah, tout à l'heure. Vas-y. Ah non, merci. Non, moi, j'en ai marre. J'en ai même plus que marre. T'es gonflé. Elle est plutôt jolie, ta voiture. T'es tombée en panne? Oui, j'ai plus d'essence. Oh, il n'y a aucun problème. On va t'en donner un peu. Assieds-toi au volant. Hé, les gars, on va la pousser jusqu'à là-bas. Allez, d'accord. Allez, allons-y. Allez-y, poussez. Allez, Peter. Allez, poussez. Attention, toi. Allez. Elle est plutôt bien roulée. Allez, venez jeter un petit coup d'œil. Allez, les gars. Prendre la voiture.
Je m'appelle Dell. Erika. Écoutez, Erika, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous venez souvent ici? Oh non. Je ne vois rien de follement drôle. Enfin, ça ne me fait pas rire, je suis désolé. Voilà une réaction saine. Allez-y, veillez. Pas mal du tout. Vous allez le laisser mourir, tout seul? Oui, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et alors moi, comment je me sortirai de là? J'en sais rien, rentrez chez vos parents, salut. Attendez! C'est eux qui m'ont chassé, je vous en prie. Je sais même pas où est-ce qu'on se trouve. Ça serait trop cruel de me laisser seule ici avec lui. Emmenez-moi avec vous. Ça m'est égal où vous allez. J'ai peur de rester toute seule. Oh, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut en arriver là. Allez, d'accord. Montez. Oui, mais je commence à avoir faim. Tu sais bien qu'il n'y a rien. Ah, non? Bon, alors écoute, mets-toi là, assieds-toi, juste ici. Là. Ne te lève plus et en attendant, ne laisse surtout personne voler notre océan. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Tu verras. Non, ne bouge pas et garde-moi une place. Nous avons fait l'amour. Je l'ai passé 5 fois, tu te rappelles. Et attends une minute, tu verras que j'ai pensé à tout. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. D'abord les couverts. Dernier chien. Et avec notre nocturne. Champagne. Oh oui, je m'en souviens. Mais attends. Et du caviar. Bah, il fallait t'impressionner. Qu'est-ce que tu as? Rien. Je suis follement heureuse. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse. Alors moi aussi. Herman vient de nous apprendre qu'il a trouvé la voiture occupée par les auteurs de l'assassinat. Il y a un cadavre. Il doit être mort depuis 1 heure. Le médecin légiste et la criminelle vont arriver. Une voiture volée? Oui, bien sûr, à San Diego. J'ai fouillé très rapidement le mort, il n'a aucun papier. Eh ben, c'est pas ça qui nous avancera. Une bagarre vient d'éclater dans un bar. Entre
entre des clients complètement ivres. Hé, baisse un peu ta radio. T'as pu retrouver les clés? Ben non, il n'y en avait pas dessus. Il y a quelqu'un là-dedans. Nous allons vous tirer de là. Aidez-moi à les sortir. Appelez une ambulance. Venez, mon vieux. Tu m'en verses encore? Oui, voilà. Si j'avais su que tu aimais tant le champagne, je t'en aurais offert tous les jours. Je n'en voudrais pas tous les jours. Tu vois, le champagne est une boisson spéciale. Et si tu m'en donnais tous les jours, ça ne serait plus spécial, tu comprends? Oui. Et si tu mets un terme aux choses spéciales, eh bien, à la fin, tout devient de la routine et perd de son intérêt. En tout cas, c'est ton quatrième. Ah, papa et maman m'ont prise et m'ont puni. Si maintenant papa et maman t'ont prise et t'ont bien puni, moi je peux promettre de ne pas mentir. Combien de petits... Combien de petits... Ça roule, c'est gagné. Tu sais où on va ce soir? Dans le sud de la France. Non. Non, écoute, ce soir, nous allons nous mettre sur notre 31 et nous irons passer la soirée dans un de ces grands hôtels modernes et nous y danserons tous les deux. Il y aura de la musique que nous réussirons à reconnaître. Benny Goodman. Non, pas tout à fait. Mais tu auras la joie d'entendre Lou Rodolfo et ses musiciens au terrible tempérament. Bon, alors, puisque nous allons danser, il est temps de nous habiller. Je vais ranger ça. Non, 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 laisse. Non, c'est moi qui... Reste tranquille. Thank you.
soir, 15h44 avant le carambolage. Oh, monsieur, vous êtes toujours là? Votre femme est sauvée maintenant. Elle a pris des calmants et elle dormira toute la nuit. Il faudrait bien mieux rentrer chez vous et repasser demain matin. Non, je veux rester avec elle. Non, c'est impossible. Pourquoi? Vous avez quelque chose contre les camionneurs? Non, c'est plutôt rare d'abandonner des études de médecine pour devenir camionneur. Je devais avoir pas loin de 8 ans quand mon père a rapporté une de ces panoplies de docteurs rutilantes. Vous savez, avec un magnifique stéthoscope et de belles petites pilules. C'était propre et net. Et je suis devenu le meilleur de tous les gosses de mon quartier pour s'amuser au docteur. Ah, ça, je vous le jure. Dès cette époque, je m'y voyais. Et j'ai toujours pensé que je deviendrais docteur pendant... Ah oui, pendant presque 18 ans. Et puis, un beau jour, je me trouvais dans un laboratoire à New York, en train de disséquer un cœur. Et je me débrouillais mal avec les valvules. Un cœur. Le moteur de la vie. Et j'ai pensé... Mais qu'est-ce que je connais d'autre à propos de la vie? Moi aussi. Vous aussi quoi? Moi aussi. Un jour j'ai pensé à tout ça. Je me suis interrogée sur ma vie. La fin d'un long mariage qui ne menait nulle part. Ah, mais je n'ai pas eu cette bonne idée de partir moi aussi conduire un camion. Oh, mais vous avez eu tort parce que ça rapporte. Et puis surtout, quand vous vous retrouvez seul à votre volant en pleine campagne, vous réfléchissez. Et vous imaginez. Et vous pensez à quoi? Oh, vous pensez à tout ce qu'on peut faire dans ce monde, à part disséquer des cœurs et plomber des dents. Par exemple? Eh bien, vous voulez vraiment savoir? Bien sûr. D'accord. Comme dormir dans la grande pyramide de Khéops en Égypte. Pourquoi pas? Oui, ça s'imagine très bien. Oui, mais ça, je l'ai fait. J'y suis vraiment allé. Vous êtes allé en Égypte? Oui. Et vous avez dormi dans une pyramide? Exact. Et comment s'est passée la nuit? En une suite de rêves. Des rêves comme jamais je n'en avais fait. Ah, ça ne m'étonne pas. Merci. Et aujourd'hui, j'ai secouru une belle et douce damoiselle en détresse. Il va danser avec moi. Et dans un mois, je dois partir pour l'Australie. L'Australie? Quoi, vous ne me croyez pas? Vous ne voulez pas venir avec moi? Vous êtes encore jeune. Vous pouvez vous montrer romantique. Oui. Vous aussi. Oh. Vous ne croyez pas ça non plus. Vous êtes très belle, Erika. Autrement, jamais je ne me serais arrêté pour vous aider. Mais vous n'allez pas continuer toute votre vie comme ça, à passer d'une aventure à une autre. Pourquoi pas? Qu'y a-t-il de mieux? Un long mariage qui ne conduit nulle part. Oh non, ça n'est pas juste. Mon mari n'était pas du tout un mauvais mari, mais c'est seulement que on en a eu assez. Et c'est ma faute aussi. Et vous voilà libre. Célibataire, jolie. Oui, et mère d'une fille qui a presque votre âge. Erika, ce n'est pas votre fille qui m'intéresse. Belle. Mon mari... Non, votre ancien. Mon ancien mari m'a quittée pour une fille qui avait 22 ans. Ah, alors c'est reparti. Je... Allez, ça y est. Votre petit jeu des numéros. 21, 22, 38, etc. Et alors quoi? Alors, quand vous étiez ce jeune garçon qui jouait au docteur, j'étais sûrement enceinte de ma fille depuis des mois déjà. Alors, cette fois, je crois que je vais être d'accord avec vous.
Nous aurions peut-être eu de grosses difficultés à sortir en couple. Ah, Erika. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent. C'est faire ce qu'on a envie de faire. Et je vais vous dire de quoi j'ai envie. Oui, mais je ne suis pas sûre de vouloir l'écouter. Oh, mais je vous le dirai quand même. Ce soir, je voudrais aller avec vous quelque part. Nous serions tous les deux seuls. Tout à l'heure. J'ai d'abord essayé de trouver à manger. Oh, vous auriez dû le choisir à l'orange. J'ai horreur de ce goût-là. Ah, j'ai trouvé que ça. Un peu de pizza. On est en sécurité ici. Oh, oui. Pour cette nuit, sûrement. On partira tôt demain. Est-ce qu'on ira à Big Show? Falaises et des rochers qui descendent dans l'eau. Mais de quoi vous parlez? De Big Sur, évidemment. De quoi d'autre? Cet endroit a l'air de vous plaire. Il est tellement spécial. Ah, oh, oui, alors. Il y a des oiseaux partout. Des phoques, on voit même des baleines qui s'approchent des côtes en allant vers Bahia. C'est la vraie nature. Et est-ce qu'on peut camper là-haut? Oh oui, c'est fantastique comme endroit pour camper. Et les autres restent à l'écart et ne viennent pas vous embêter. On croit entendre une petite fille quand vous parlez comme ça. C'est difficile de croire que vous traversez le pays en autostop. Et vous dormez dans ces communautés de hippies. On pourra y aller dans la matinée. Tout le monde dit que c'est fabuleux. Comment ça, vous n'y êtes jamais allé? Eh bien, en réalité, non, jamais. Mais par la pensée des centaines de fois. Oh, j'en ai entendu parler pendant de longues années. Et une fois, j'ai vu un beau livre avec plein de photos. Et j'ai toujours su, une fois que j'y serais, que tout finirait par s'arranger pour moi. C'est pour ça qu'il faut y aller. Vous êtes vraiment un cas à part. Oui, vous êtes cinglé. Complètement cinglé.
Tu es vraiment jolie. J'étais en train de penser à demain. C'est le 4 juillet. Pour tout le monde, c'est jour de fête. On ira faire un tour. Je t'offrirai des tortillas. Est-ce que tu aimes ça? Mm-hmm. Et quand tu en auras assez, des tortillas, on ira boire quelques bières à Capistrano. On regardera les mille moineaux à la mission. On lancera des feux d'artifice qui feront peur aux filles et qui feront rire les garçons. Ou alors, encore mieux, on restera tranquillement au lit et on fera l'amour toute la journée. Mais on ne partira qu'après-demain. J'irai prendre mon chargement à San Diego et on partira au Texas. Au Texas? Oui. Et on fera l'amour dans le Grand Canyon quand on le traversera. Tu es merveilleux, mon chéri. Mais tu vis dans un merveilleux monde de rêves, si nouveau pour moi. Car c'est du rêve. Non, ce n'est pas du rêve, Erika. Viens avec moi demain matin et je te le prouverai. Je ne veux pas penser à demain matin. Pour l'instant, je ne pense que cette nuit. C'est insensé. C'est complètement insensé. On ne suit pas comme ça au lit un homme complètement inconnu. Enfin, pas moi. Jamais ça m'est arrivé. Merci. Mais attention, tu vas satisfaire ma vanité de mâle. Oh mon Dieu, quelle heure peut-il être? Minuit un quart, pourquoi? J'ai oublié de téléphoner à ma fille, qu'elle ne m'attende pas ce soir. J'aimerais savoir ce que tu vas lui raconter. Allô, Suzy? Oh non, ça va. Non, seulement il y a eu un petit changement dans mes plans, alors je ne viendrai pas ce soir. Ah oui? Je n'en sais rien, je ne peux rien savoir encore. D'accord, bonsoir. Devine un peu ce qu'elle a dit. Mais elle a dû te dire, j'espère pour toi que tu as eu de la chance. Comment tu le sais? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'il y a sûrement pire que toi. J'ai remplacé les plaques par d'autres que j'ai volées en allant chercher à manger. Oh. Dimanche matin, 1h30 avant le carambolage. Où ils sont tous passés? Ils sont partis à San Diego, on les verra là-bas. Oh, pas moi, je me sens trop mal. Oh, je t'en prie, t'as rien du tout. Je crois ça, des points de suture sur tout le ventre et au front. Ils m'ont gardé toute une nuit. Bah alors laisse-moi conduire, puisque tu te sens si mal. T'es folle, personne ne conduit ma moto à part moi. Allez, on va prendre le petit déjeuner et repartir à Los Angeles. Oh, il faut qu'on aille à San Diego. La bande au grand complet nous attend là-bas. Je t'emmène ou tu restes? Un de ces jours. Alors, tu partiras en me laissant? Oui, bien sûr.
suis finalement endormie très tôt ce matin. Parlons un peu de toi. Tu as dormi? Non. Le dispositif est en place. On les retrouvera. Si tu voyais ta tête, essaye de te reposer. Désigne quelqu'un pour aller te remplacer et repose-toi une heure ou deux. Je n'arrêterai pas avant que tout soit fini. Mais si tu es fatigué, tu ne pourras rien faire du tout. Tu vas devoir rouler comme un bolide et peut-être même tirer sur quelqu'un alors que tu... Ah non, pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, tu m'as déjà sorti ça 1000 fois. C'est mon travail, Lorine. Oui, et c'est toi qui le veux, ça. C'est ce que tu as toujours voulu. Et c'est ce que tu voudras sans doute toujours, mais aujourd'hui, je refuse de continuer. Mais... Et ne te joue pas la comédie. Tu te comportes comme un grand gosse qui adore rouler comme un fou après des bandits qui te tirent dessus. Oui, c'est vrai. Une vie dangereuse et mouvementée. Et tu as raison, j'adore ça. Alors, il faudra te trouver quelqu'un d'autre, ça. Une femme qui te donnera des enfants. Une femme qui pourra vivre sans penser à chaque instant que tu ne rentreras peut-être pas. Tenez, Madame Pearson. Alors vraiment, je ne sais pas ce que j'avais en tête. J'ai eu envie d'aller nager le plus loin que je pourrais sans que tu m'arrêtes. C'était bien que c'était le champagne. Ma tête était pleine de tellement de choses. Une fois plongée dans l'eau, je me suis sentie si sereine et si claire. Alors, j'ai seulement pensé à nager très très loin, comme si j'étais jeune. Oh, Dieu. Chérie, toi et moi, nous savons que j'ai très peu de temps à vivre. Nous évitons d'en parler, mais c'est peut-être bien une affaire de moi. Et c'est pour ça que tu fais toutes ces choses pour essayer de me faire plaisir. Oh, mon chéri, je ne veux pas que tu te sacrifies pour moi en attendant. Que tu dépenses nos économies pour que mes derniers jours soient merveilleux. Je veux t'éviter tout ça. J'ai essayé de ne plus t'imposer cette attente et ces dépenses. Oui, je comprends, mais tu le sais. J'apprécie chacun des moments passés avec toi. Chaque seconde. Et moi aussi, chérie. Tu veux qu'on parte chez nous maintenant? Ça me fera tellement plaisir de m'y trouver avec toi. Bien sûr. Demain matin, on ira déposer ta voiture à San Diego. Et ensuite, on repartira vers midi. Où est-ce qu'on va dormir demain soir? Bonsoir, alors demain soir. Hein, je connais un petit endroit extra, à Santa Rosa, au Nouveau-Mexique. Avec des bougainvilliers un peu partout. C'est une vraie cantina des Pancho Villa, au bord de la route. Tu as déjà vu le ciel la nuit dans le désert? Ah, une féerie d'étoiles. Et que va-t-il se passer quand on sera au Texas? De quoi veux-tu parler? Qu'est-ce qu'on fera? Vous redescendra. Eh bien, nous y penserons une fois arrivés là-bas. Je ne ferai pas ça. Tu ne feras pas quoi? Je n'irai pas avec toi. Je vais repartir à Los Angeles. Une petite minute, s'il te plaît. Une toute petite minute. Tu as dit la nuit dernière que tu n'aurais jamais suivi un homme que tu connaissais à peine. Pourtant, tu l'as fait. Et c'était merveilleux. Et c'est toi qui changes tout en une rencontre d'une seule nuit, alors que je croyais que tu voulais mieux que ça. Mais oui. Mais tout ça est trop déroutant. Mais qu'est-ce que tu risques? Un métier qui t'endette, une maison vide, quoi d'autre? Et je sais que tu as raison. Et j'aimerais en avoir le courage. Je ne l'ai pas. Tu ne le feras jamais si tu ne le fais pas maintenant. Mmh.
déjeuner. Je regrette. Oui, moi aussi. Capistrano, ici 85603. Oui, allez-y, je vous écoute. Je me trouve juste à l'entrée 17. Je croyais avoir trouvé la fourgonnette, mais c'est pas le bon numéro d'immatriculation. Il y a un flic derrière nous. Oh, mais c'est rien. La police cherche une autre camionnette, n'oublie pas. Allez pas après nous. Capistrano, terminé. Là, regarde un peu, il a tourné. Eh, mange pas tout. Oh, quelle saloperie! De l'avoir trouvé à un moment, même couleur et tout, avec même un jeune couple dedans. Tout collait, sauf le numéro. Il doit y en avoir tout un tas dans le coin. Oui, sûrement. Et cette fourgonnette avait quelque chose d'écrit derrière. Je me rappelle, il y avait un X. Un X? Oh, c'est vrai, je l'ai vu, moi aussi, cette inscription. Où elle allait? Mais pourquoi tu dis ça? Par où est-elle partie? D'accord, je l'ai laissé, elle s'engageait sur l'autoroute vers le nord. Passe-le à la radio, c'est notre fourgonnette.
nous vous recommandons encore de bien voir. Sortir d'autoroute. Courage. On sera bientôt chez nous. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Je peux tenir. Non! Laissez-le faire, on va le sauver! Non! Mais croyez-vous pour le temps!
Où est Sam? Il est là-bas, devant vous. Alors, maintenant, est-ce que tu vas venir au Texas avec moi? Poussez l'ambulance de là, vous voulez? Allez, dépêchez-vous de m'enlever ça. Sam, tu es blessé? Non, c'est rien. Attends, je vais te nettoyer ça, j'en ai pour une minute. Oh, mais puisque je ne sais rien... Non, mais regarde-moi ça. Quand j'ai vu ta voiture, j'ai cru que... Tu remets ça? Je ne dis rien. Excuse-moi. Allez, va vite finir ton travail. Dimanche 4 juillet, à 11h09 du matin, un carambolage monstre s'est produit sur l'autoroute Inter-État numéro 5 en Californie. 39 voitures accidentées, 62 blessés, 15 morts. Le rapport a conclu que l'accident était dû à des défaillances mécaniques.